Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment archiver et supprimer un cours. Donc, premièrement, tu dois te rendre dans Google Classroom. Une fois sur la page d'accueil, tu vas sélectionner le cours que tu désires supprimer. Tu vas cliquer sur les trois petits points et sélectionner Archiver. Donc, cette option-là, c'est une belle option pour conserver des traces au cas qu'il y aurait une révision de notes. Donc, on voit que ni les élèves ni l'enseignant peuvent aller modifier ce qu'il y a. Là. Donc, on fait archiver. Donc maintenant, le cours, si on veut y accéder, il faut cliquer ici sur le menu et descendre dans le bas, vous allez voir la section des cours archivés. Là, on voit tous les cours que j'ai de archivés. Si je désire supprimer un cours, il me suffit de cliquer sur les trois petits points ici et de cliquer Supprimer. Vous voyez qu'on a également la possibilité de restaurer le cours en question si jamais on a fait l'archivage par erreur. Donc, ici, je vais supprimer. Je confirme. Donc, on voit que les fichiers du cours vont quand même rester dans mon Google Drive une fois que j'aurai supprimé le cours. Donc, voilà, le cours est supprimé.